j'ai pas enregistré. J'avoue que je suis carrément rouillée. La dernière fois que j'ai enregistré, c'était avant mon déménagement, donc c'était novembre. Donc ça fait 5 mois. J'ai déménagé depuis, nouvel environnement. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de stress. Tout n'est pas terminé. Maintenant, on a une partie travaux. Tous les, comment dirais-je, tous les repères ont été bousculés. Alors moi, personnellement, je me suis très bien adaptée. Côté créatif, ça a été en stand-by un certain temps. Alors oui, alors, si par hasard, il y a des personnes qui arrivent sur ma vidéo qui ne me connaissent pas du tout, après, je ne suis pas une personne qui avait fait 15 000 vidéos. En fait, la première que j'ai faite, c'était il y a un an. C'était au premier confinement, où j'avais un petit peu de temps, donc j'en avais profité pour pouvoir voilà, me lancer un petit peu dans cette partie-là, pour partager un petit peu ce que j'aime faire. Et c'est vrai que je n'ai pas produit beaucoup, beaucoup de vidéos pour plusieurs raisons, parce que je n'ai pas une grosse productivité, parce que moi, je n'ai pas arrêté de travailler pendant la période de confinement, et même là, actuellement, en avril 2021, j'ai toujours une activité assez forte. Du coup, je n'ai pas forcément une production énormissime sur la partie créativité. Je fais toujours plein de choses, mais voilà, ça reste quand même assez faible comme production, on va dire, comparé à d'autres personnes qui partagent énormément. Je suis assez admirative sur la quantité de production fournie. J'aimerais bien l'être autant, mais c'est pas le cas, malheureusement. Mais bon, en tout cas, je suis quand même contente de ce que je fais, donc c'est plutôt cool et j'aime bien le partager ici avec vous. Donc moi, c'est Laetitia, alias comme trois pelotes, sur Instagram et sur Ravelry, et sur YouTube, voilà, sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à celles et ceux qui arrivent ici. Et puis, merci aux autres personnes qui regardent mes quelques vidéos depuis le début. Donc voilà un petit peu les nouvelles du front, on va dire, depuis ma dernière vidéo du mois de novembre. Alors côté création, alors couture à zéro, sachant que je ne suis pas grande amatrice du sujet, mais j'aimerais vraiment pouvoir me confectionner quelques pièces. J'ai notamment piqué une idée de Ève de Bobine et Pelote. Sur un modèle, une sorte de pantalon jupe culotte, je me souviens plus le nom du projet, je le chercherai, je pourrais le noter, je le noterai en dessous dans la barre de description. C'est assez sympa, qui m'a pas l'air hyper compliqué, donc parfait pour moi qui est une très grande débutante sur le sujet. J'ai fait quelques accessoires, mais voilà, ça s'arrête là. Côté couture, donc ça s'arrête là. Et mon atelier est récemment installé, il manque encore l'essentiel, l'électricité. J'ai la lumière, mais il me manque encore les prises pour brancher mes machines. Donc voilà, ça c'est un peu en stand-by encore. J'ai récemment découvert, j'avais déjà fait un petit peu de broderie, mais là j'ai fait le défi de Julie Songe sur Instagram. J'ai trouvé ça très très sympa. Je me suis bien amusée de le faire. Je vais vous le montrer là, puisque je l'ai sous la main. Voilà. Je sais pas si ça fait le point. Ouais, ça a l'air. Ouais, je suis pas sûre. Voilà. Bon, il y a des photos sur mon Instagram. J'ai trouvé ça assez fun de le faire. Bon, maintenant, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais le mettre sur un sac. Mais bon, faut que je fasse de la couture. Voilà. Mais ouais, je pense que je vais peut-être faire ça sur un sac. On verra. C'est pas encore tout à fait décidé. Mais j'ai trouvé ça assez cool. D'ailleurs, j'ai le reste de son défi où elle a partagé un autre schéma avec un peu les mêmes motifs, mais sur un format cœur. Puis avec une bordure. Donc, je tenterai ça, je pense. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé faire ça. Et puis, le partage avec les autres personnes qui l'ont fait. On voit les couleurs, voilà, les autres projets prendre forme. C'est plutôt cool. Voilà, niveau broderie, c'est la seule chose que j'ai faite. Hein. Voilà. J'ai dû faire une petite coupure, j'ai eu un appel que j'ai dû prendre et j'ai changé l'angle de vue parce que je me rends compte que j'ai la fenêtre juste là et qu'à chaque fois que je bougeais en ayant la caméra, ah bah ben là ça le fait aussi.
Ça joue sur la luminosité. C'est vrai que c'est un petit peu pénible et je pense que ça va être pénible pour vous plus que pour moi. Bon, je vais essayer de pas trop bouger du coup, mais bon, c'est pas top top. Faudra que je vois comment faire pour les fois prochaines. Excusez-moi, je me gratte le nez. Bon, alors donc, je disais que couture broderie, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait. Voilà, pas grand-chose. Après, côté tricot, j'ai fait un peu plus. Alors, j'ai pas tout sous la main, pour la bonne simple raison qu'il y a des choses que j'ai données, offertes. Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait sur Ravelry et puis je vais vous en parler assez succinctement. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez essayer de me contacter dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais c'est vrai que là, il y a des sujets qui remontent un petit peu et que j'ai un petit peu oublié dans le détail. Et j'ai pas forcément pu faire de vidéo avant. Et puis je voulais aussi avoir quand même un petit peu de contenu qu'une chose à vous présenter. Alors, donc, dans mes sujets terminés, mes objets terminés, j'ai fait un test pour le zèbre qui tricote. C'est le. Alors, je suis en train de regarder ma tablette parce que je suis sur mon Ravelry également. Donc, c'est le pull Bad Wolf que j'ai commencé le 15 février et que j'ai terminé le 22 mars. Et il est juste là. Donc j'ai mis des photos sur Instagram, si vous voulez aller voir, parce que là je vais pas l'enfiler. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce que je portais, je vous dirai après. Je ne vais pas me changer. Par contre, je vais vous le montrer comme ça. Reculer un petit peu. Alors la particularité donc de ce modèle, c'est toutes ces petites torsades. Voilà, il y en a au niveau du col. Il y en a au niveau des épaules. Voyez, l'encolure est là. Les épaules et ça part autour de la manche. Voilà, ça redescend. Ça, c'est donc sur le côté du pull. Voilà, jusqu'en bas. Et ensuite, sur tout le corps, c'est du jersey. Et puis, on a la partie basse du pull. Voilà, ce n'est pas des côtes, c'est donc les petites torsades. Donc franchement, le pull, il est très sympa. Bon, j'ai un peu galéré par l'écriture du patron. J'avais pas l'habitude. C'est la première fois que je tricotais pour cette designer. C'était plutôt sympa parce que ça change. Et puis voilà, ça permet de voir d'autres façons d'écrire, d'autres personnes. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal sur la construction. Il y a des choses, j'ai un petit peu galéré quand même. Après, une chose qui ne me plaît pas trop sur le modèle, c'est en fait, quand on prend le pull là, on voit que sur l'épaule là, ça fait une espèce de bosse. Voilà. Et quand on le porte, ça se voit un peu. Enfin, moi, je le vois. Quand on a l'épaule dedans, ça fait une espèce de surplus de matière là, légère. C'est pas moche, hein, mais bon. Ça, j'aime pas trop trop. En termes de laine, c'était la première fois que j'utilisais de la Drops. Donc, j'ai utilisé de la Baby Alpaca Silk. C'est ça. Je suis en train de regarder hein, ce que j'ai noté. Baby Alpaca Silk et de la Silk Alpaca. C'était la première fois que j'utilisais ça. J'avais entendu beaucoup de bien sur cette marque Drops, que je ne connaissais pas du tout. Bah écoutez, franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, à part, je trouve que ça bouloche énormément. J'ai déjà porté quelques fois. Alors évidemment, hein, il y a le silk alpaca qui fait, voilà, qui fait comme du mohair, quoi. Voilà. Mais là, je trouve que c'est encore pire. Je l'ai quand même rasé et on voit que, voilà, il y a quand même. Il y a quand même un petit peu de monde, voilà. Mais bon, comme la couleur est claire, ça se voit pas tant que ça. Et il tient super chaud. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment un pull qui tient très très chaud. Et au niveau du drapé, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, je trouve que c'est plutôt plutôt chouette.
J'ai utilisé 173 grammes de silk alpaca et 288 grammes de baby alpaga. Je trouve que c'est pas tant que ça, en fait. C'est vraiment pas tant que ça. Mais voilà. Ah, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ça. C'est ça qui m'a fait me porter volontaire. C'est vraiment cette partie-là. Je la trouve très, très jolie. C'est hyper féminin. Et ouais, ça donne tout le charme au pull. Voilà. C'est pas compliqué du tout de le faire. Par contre, le démarrage, on démarre. Donc, c'est un top-down. On commence par le haut. Et ouais, là j'ai un peu galéré, j'ai pas compris, je comprenais pas la mise en place, je comprenais pas les indications données dans le patron. Il y a des schémas, ce qui est plutôt bien fait une fois qu'on a capté le truc, hein, mais avant de le capter, j'ai eu un petit peu de mal à bien comprendre le mécanisme du patron. Voilà. Mais une fois qu'après c'est parti, bah c'est parti, hein, voilà. Tendance à dire, une fois qu'on est sur les rails, c'est tout bon. Mais bon, c'est vrai que là, c'est pas forcément une évidence. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été une évidence. Voilà. Je suis pas débutante dans le tricot, j'ai pas non plus un niveau de ouf. Il y a plein de trucs que je ne sais pas, que je ne maîtrise pas. Mais voilà. Et bon, bah, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à avoir le nez collé sur le patron parce que les choses sont quand même assez fluides. C'est logique et on lit très facilement le tricot. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et au final, j'ai pas mis tant de temps que ça à le faire. 15 février, 22 mars, sachant qu'encore une fois, moi j'ai toujours une activité professionnelle. Je n'ai pas beaucoup plus de temps qu'avant. Voilà. Donc voilà pour ce modèle. Alors ensuite, tant que je suis debout, je vais vous parler de ce que je porte. Donc ça c'est mon pull Vind que j'ai fait pour un test l'année dernière pour Lucienne Tricote. Voilà, avec de la laine de pomme de laine. Bon, malheureusement, elle ne fait plus de teinture et propose plus de laine. Mais alors, j'aime énormément ce pull. Je trouve la couleur, mais juste extraordinaire. Vraiment magnifique. Donc voilà, je l'avais fait l'année dernière, en février 2020, en test. Et puis ça, c'est un châle que j'ai fait en août 2019, enfin j'ai commencé en août 2019 et que j'avais dû finir sur la fin d'année 2019. C'est un modèle de Lydia Tricot Crochet sur sa chaîne YouTube. Et c'est plutôt pas mal. Je ne sais même plus le fil que j'avais pris. Je ne me souviens plus. Bah, c'est un fil très joli, hein. Il m'avait d'ailleurs coûté un peu. Je ne sais pas si on voit bien, si ça fait le point. On va essayer de faire un truc propre, mais bon, voilà. Il y a plein de petites nuances. Et ouais, le fil est plutôt sympa, mais je me souviens plus la laine. Je me souviens plus du tout la laine. Voilà pour donc ce que je porte aujourd'hui et le modèle donc de Bad Wolf. Ensuite, j'ai fait un poncho pour ma fille. Alors, je vais aller le chercher parce que je ne l'ai pas et lui, il n'est pas loin. Voilà. Donc, très rapide de pouvoir le récupérer. Donc, ce modèle, c'est un modèle de Lydia Tricot Crochet également sur sa chaîne YouTube qui m'avait beaucoup plu. Ma fille voulait un poncho depuis un certain temps et tous les modèles que je pouvais lui trouver, ça ne lui plaisait jamais. Donc, j'ai patienté, je suis allée un petit peu ce qui pouvait sortir et puis bah, ce modèle-là est sorti. Et je lui dis, oh tiens, regarde. Et en fait, avant en fait non, je ne lui ai pas montré. Je l'ai démarré avant de lui dire que c'était pour elle et finalement elle l'a trouvé super chouette. Donc c'est cool. Donc voilà le modèle. Avec un col roulé. Voilà. Je me rapproche un peu pour montrer le point. Donc tout au crochet, hein, même le col là, c'est fait au crochet. Voilà. Donc la laine, bah, c'est une laine aussi de Lydia. C'est la Caméléon. Attendez, je vais regarder. Je suis pas loin, mais j'ai su juste mes laines juste à côté là. Enfin, je vous montre tout mon rangement de laine.
un de ces quatre si ça intéresse. Voilà, c'est la laine caméléon. Voilà. Laine caméléon. Qui est plutôt pas mal. Je vous avouerai que ça a un bon rapport qualité-prix. Elle est très douce. Franchement, alors oui, c'est ça pour le coup, c'est pas de la soupe pension en laine. J'ai plus le détail, j'ai pas ressorti les étiquettes. Je crois qu'il y a un pourcentage de laine et un pourcentage d'acrylique. Mais franchement, c'est super doux, quoi. Et il tient vraiment chaud. Voilà. Et puis là, le col, c'est aussi un point fait au crochet. On dirait vraiment des côtes. J'adore ce point. Et puis il est très élastique. Voilà. Voilà. Donc ce modèle-là, je l'ai fait. Attendez, je regarde sur ma fiche. Je l'ai commencé le 29 janvier et je l'ai fini 1er avril. 1er avril. Ah oui. Je pensais que je l'avais fini avant ça. Ça fait à peine un mois. Ok, bah voyez. Je pensais que je l'avais fini avant, mais non. Et j'ai utilisé 5 pelotes de caméléon et je l'ai crocheté en crochet 4,5. C'est très chouette pour être à la maison, voilà, voilà, pour se mettre un petit peu. Ça fait très doudou, c'est hyper moelleux, donc c'est plutôt cool. Ma fille est contente, donc ça faisait un petit moment qu'elle voulait un poncho, donc je suis très contente d'avoir pu enfin lui faire. Voilà, ensuite. Alors oui, j'ai fait un châle que j'ai offert à ma tante. C'est Princess Shawl, le nom du modèle. Je l'ai fait en laine Fildar et en laine Fildar Merinos 3,5. Et puis j'ai ajouté de la couleur également dans le modèle. Alors je vais vous montrer en photo parce que je l'ai offert. Donc je ne l'ai plus. Je vais essayer de le montrer en photo, mais j'essaierai d'en insérer une photo également. Mais bon, je vais quand même essayer de vous montrer là. J'essaierai de mettre une petite photo également. Voilà. Voilà la définition. Donc, ça, c'était pour faire un cadeau à ma tante. Je l'ai commencé le 5 février, je l'ai fini le 11. Ouais, je me suis dépêchée parce qu'en fait, je ne savais pas du tout quoi lui offrir pour son anniversaire et j'avais envie de faire plaisir et puis de faire quelque chose qui change que d'acheter quelque chose, même si c'est toujours chouette d'offrir un cadeau acheté, c'est bon, c'est pas le souci, mais j'avais envie de lui offrir quelque chose, sachant qu'elle-même est une tricoteuse. Et que elle fait aussi d'autres choses, mais on n'a pas le même registre, on fait pas les mêmes choses, et donc voilà, j'avais envie de lui offrir quelque chose que moi je faisais, donc elle était très contente, c'est cool. Donc je vous insérerai des petites photos pour mieux le voir et que vous vous rendiez un petit peu plus compte du rendu. Voilà, donc ça, bon, moi j'ai pas grand-chose à dire, ça a été relativement vite. Et pas de grosses difficultés à la réalisation de ce modèle. Il se démarre vraiment au milieu et c'est vrai que le démarrage, je l'avais jamais fait comme ça, mais ça s'est très bien passé, très propre. Bon, à la fin, on avait beaucoup de mailles, mais sinon ça a été, c'était plutôt agréable et j'étais très contente de pouvoir lui offrir ce petit modèle plutôt sympa. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose de terminé? Alors oui, j'avais autre chose de terminé, mais je ne l'ai pas mis dans mon Ravelry. Et puis, il est parti. C'était un petit chat pour un cadeau de naissance. C'est pareil, je mettrai une petite photo. J'essaie de le mettre là ou de l'insérer entre deux pour vous montrer le rendu. Un petit chat au crochet pour une petite fille qui est née en février. Et ouais, je trouve ça, les petits amigurumis, c'est toujours fun à faire. Bon, alors, sur le moment, c'est un peu chiant, mais quand ça prend forme et qu'on voit que le petit personnage, voilà, commence à prendre vie, quand on met les yeux et tout ça, c'est plutôt cool. Voilà.
Mais là, je suis en train d'essayer. Bon, je vais vous montrer après dans mes petits encours. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que, en plus, voilà, l'internet là, c'est aussi catastrophique que là où j'étais avant, voire même pire. Donc, pour mettre la vidéo en ligne, ça va encore me demander un temps pas possible. Donc, je ne vais pas faire un truc trop long. Je vous montrerai ce que j'ai fait rapidement, ce que j'ai en cours d'amigurumi. Mais c'est vrai que ça, c'est plutôt fun. Et là, je me suis inscrite au CAL Gnome. Donc, on va voir ce que ça va donner, sachant que c'est de l'anglais et que, franchement, ça va être une première. Pas sûr que j'arrive au bout, mais bon, peut-être que je solliciterai Mélise, la boutiqueuse. Je ne sais pas si tu passerais par là, mais en tout cas, ce sera un grand plaisir que tu passes par là. Peut-être je te demanderai un petit coup de main si je ne comprends pas toutes les explications en anglais, puisque je crois que toi, tu maîtrises très très bien le sujet. Et alors, tes petits gnomes que tu as pu réaliser, ils sont juste fantastiques. Donc, ça va donner envie d'essayer. Donc, on verra ce que ça donne. Je me suis inscrite et ben, c'est début mai, je crois que c'est le 3 mai que ça doit démarrer. Donc, je verrai quand il va falloir y aller. Mais ce sera assez rigolo, je pense. Voilà, et le dernier sujet que je voulais montrer, c'est une couverture, ma couverture que j'avais commencé il y a déjà un moment. Et en fait, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais parce que je suis tombée en rade de laine. Je pouvais plus la retrouver. Donc, je me suis arrêtée jusqu'à ce que j'aie plus de laine. Mais voilà un petit peu le morceau. Voilà, donc ça fait une. En fait, je voulais faire une deux places. Sauf que finalement, c'est une place. Voilà, à peu près, ça c'est la largeur. Et moi, je voulais faire une largeur de cette longueur. Voilà, je sais pas si je suis très claire. Mais donc, du coup, bah, il me manque la moitié. Voilà. Donc, je pensais pas que j'allais me consommer autant de laine. C'était de la laine que j'avais depuis un moment de chez Ziman. Donc, j'ai même eu un raccord. Voilà, j'essaie de faire un raccord. Mais on voit bien que c'est pas les mêmes couleurs entre ce jaune-là et celui-ci. Je l'ai plus foncé. Mais en fait, je suis tombée en rade de ce gris-là. Une espèce de gris moucheté, là, que j'ai pas retrouvé. Donc, du coup, ben, forcément, j'ai dû arrêter parce que je me voyais pas mettre insérer encore une autre couleur sur une autre partie. Ça aurait été vraiment bizarre. Donc, ben, c'est pas grave. Je l'ai laissé comme ça. Et c'est très bien aussi. Voilà. Donc, voilà pour la partie couverture. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce que j'ai terminé en ce début d'année, parce que décembre, j'ai absolument rien fait, et j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre quand même, j'avais tellement de choses à faire d'un point de vue maison, organisation, travail, vraiment, j'avais pas la motivation de me lancer, de me mettre sur un projet, de me concentrer et tout, mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelques trucs, donc c'est plutôt cool. Voilà, qu'est-ce que. Alors, au niveau maintenant de mes encours, je vais vous montrer ce que j'ai. J'en ai quelques-uns. Il y en a qui sont déjà démarrés depuis un moment et que j'aimerais bien avancer. Et il y en a un que j'ai démarré très récemment. Donc, passons aux encours. Alors, mon encours sur lequel je suis le plus actuellement, c'est le pull Suzette. Alors, le pull Suzette. C'est un modèle que j'ai pris du pull Tricot Duo. Voilà. Et c'est celui-ci. Celui de la couverture. Que dire? Je suis un peu mitigée. C'est la première fois en fait que je suis un patron via un ouvrage comme ça, où il y a plein plein de modèles. Voilà, je me suis dit, ben, on va tester. On entend parler de tous ces beaux livres, de tous ces beaux modèles. Voilà, je me suis dit, allez, je vais le prendre, 25 euros. Bon, il y a quand même beaucoup de modèles. Je me suis dit, c'est cool, quoi. En plus, il y a des designers que j'aime beaucoup. Donc, comme Loli l'a fait, d'ailleurs, c'est un modèle de Loli l'a fait. De Audrey Borrego, de Yann Flex, j'aime beaucoup aussi les modèles qu'elle propose. Et puis, il y en a d'autres que je ne connaissais pas. Il y a aussi Cécile de Coiffons Mes Mains. Voilà, il y a quand même. Vraiment, c'est sympa. Il y a quand même des belles personnes qui proposent souvent des beaux sujets. Je me suis dit, allez hop, on y va. Bon, donc je commence mon pull Suzette. Et puis, donc c'est un. On commence par le bas, je ne me souviens plus comment on dit. On commence par le bas et on remonte vers le haut. Je ne me souviens plus. Bottom up. Voilà, ça revient. Bottom up. Voilà, donc on commence par le bas. Donc voilà, j'en suis. Donc c'est un cropped. Bon, vous voyez, hein, niveau couleur, j'étais inspirée.
C'est quasiment la même chose. J'aime beaucoup cette couleur. Là, c'est un mélange de laine, mais je vous parlerai de la laine après. Donc, on commence par le bas. On commence par le bas, par des côtes 1-1. J'arrête pas de bouger. Voilà, j'arrive pas à me mettre bien. Voilà. Côte 1-1. Après, on a un rang de mise en place pour toute cette partie-là. On a une partie de jersey en vert et puis le dos du jersey en droit. Jusque-là, tout va bien. Je monte, je monte, je monte, je monte. J'arrive à la séparation des corps, du corps et des manches. Ok. Je reprends le bouquin pour voir un peu comment ça allait fonctionner, puisque là, du coup, la grille donnée dans le bouquin, c'est à chaque rang, puisqu'on est sur du rond, donc on fait la grosse torsade, là, à chaque rang, il y a quelque chose à faire. Donc là, sur un aller-retour, ça veut dire, je me suis dit, mais attends, si je fais des rangs en vert, en maille en vert, ça va m'étirer la torsade, mais il y a quelque chose que ça ne va pas le faire. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je dis, mais non, c'est vraiment pas possible. Je ne peux pas faire des mailles en vert sur la partie en vert. Ça va vraiment pas, ça va pas être bon. Et puis, je pose la question, on a un petit groupe sur Instagram avec Bobine et Pelote. Oh, je suis désolée, c'est la laine qui me chatouille le nez. Je pose la question parce que je me dis, bon, bah, il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Avant de commencer, je préfère être sûre. Et effectivement, elles me disent, bah, il va falloir faire ta torsade sur l'envers. Et elles m'ont conseillé d'aller voir le podcast de Lirbi, que je connaissais pas, franchement très très chouette comme podcast et comme personne, j'ai vraiment bien aimé, donc j'ai regardé et effectivement elle a fait le même constat que moi, elle était bien plus avancée que moi et du coup elle explique que pour la partie donc des manches jusqu'à l'encolure, donc ça fait quand même, ça représente à peu près ça, où il faut faire les torsades sur les rangs en vert, sachant que dans le bouquin il n'y a aucune explication. Zéro, que dalle. On te dit, bah, continuez à monter 11 cm de hauteur pour aller à l'encolure. Super. Bon, donc il a fallu faire une petite gymnastique d'esprit. Alors, sur le moment, je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça va être ce truc? En fait, je me suis fait toute une montagne. Je me suis dit, oh là là, je vais me planter. Ça va être un vrai bonheur. En plus, la laine, bah, j'ai un fil double. Hein. Voilà, j'ai mis deux fils. Donc, je vous dirai ce que j'ai pris comme fil. Mais démonter avec un fil poilu comme ça, mais c'est l'enfer. Donc c'est vrai que j'ai passé une journée à réfléchir, j'ai repris la grille, les explications écrites, je me suis dit, bah, alors là, il va falloir que je fasse comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Bon, et puis finalement, je me suis lancée, je me suis dit, je vais quand même pas tout démonter, non, je vais essayer. Donc, bah, allez hop, on y va, sachant que c'est un rang sur deux, parce que le rang en droit, il change pas, ça reste sur la grille que l'on a. C'est que sur le rang en vert, ce qui est déjà pas mal. Et finalement, je m'en suis pas mal sortie, puisque voilà, j'ai même pas fait d'erreur. Alors si, j'ai une petite erreur quand même. Pas sur la torsade du milieu, mais sur la torsade de côté. On voit que j'ai une torsade là qui est rapprochée. Voilà, elle suit pas le même rythme. Là, j'ai un. Elle est trop proche. Et contrairement à là, où je crois qu'elle est un peu trop large. Là, elle est un peu trop large. Donc bon, j'ai dit, bah alors là, franchement, faut vraiment le savoir pour le voir. Bon, même si moi, j'aurais préféré ne pas faire l'erreur, parce que quand même, j'étais assez fière de moi de ne pas avoir fait une seule erreur dans cette grosse torsade. Je me suis plantée sur les petites. Même sur, enfin, sur la partie en vert, quoi. Je ne me suis pas du tout plantée. Bon, il y a une fois, j'ai un peu galéré, mais une fois ou deux, je me suis un peu embaffée les côtés, les pédales, mais il n'y a pas d'erreur. Mais je me suis plantée sur les autres. C'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup. Donc j'ai fini par réussir à finir cette fameuse torsade. Voilà. Donc après, bah, c'est assez simple. Il faut continuer les deux côtés. Ensuite, une fois donc qu'on a fait les deux côtés, on attaque le dos. Donc le dos, bah, hein, super easy, aller-retour, un côté en droit, un côté en vert, jusqu'à ce qu'on arrive à un certain nombre de centimètres. Alors moi j'ai fait le modèle cropped. Dans le modèle cropped, il est dit de faire un nombre de centimètres entre l'emmanchure et l'encolure. Heureusement qu'on peut faire des essais parce que c'est ce que j'ai fait, ça m'a trouvé court. Et effectivement, quand j'ai essayé, j'avais le dessous de bras complètement comprimé et encore, j'arrivais même pas à joindre les deux bouts au niveau de l'épaule.
Donc j'ai rajouté quand même 10 rangs, donc à peu près 3 cm, pour avant de joindre les deux bouts. Donc j'ai fait ça évidemment des deux côtés, voilà, en espérant que ça aille. Donc une fois que j'avais fini ça, j'ai essayé sans les manches. C'était un petit peu serré, mais je me suis dit au blocage, je tirerai un peu sur le truc, ça va le faire. Parce que malgré tout, on sent bien qu'il y a un petit peu d'élasticité. Bon, si je tire trop, je vais perdre les mailles. Hop, voilà. Donc, je me suis dit, on y va comme ça. Donc après, dans le patron, il est dit de remonter un nombre de mailles. Je me suis dit, ah bah le nombre de mailles, vu que j'ai pas suivi la hauteur, ça va poser problème. En fait, donc je remonte mes mailles, donc sans les compter dans un premier temps, je me dis, bah de toute façon, vu que j'ai rajouté 10 cm, à mon avis, je vais en avoir trop. Je monte, je compte, j'avais pas assez de mailles. Ah, c'est bon, super, on recommence. Donc du coup, j'ai divisé le nombre de mailles en deux, il fallait 60 en tout, donc j'ai monté 30 et 30 de chaque côté. Et je me suis dit, bah c'est étonnant, avec les 10 rangs que j'ai fait supplémentaires, de pouvoir poser mes 60 mailles sans problème. Bon, ok, c'est bon, j'ai mes 60 mailles, donc hop, 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 on y va pour monter la manche. Et plus je monte la manche, et plus je me dis, oh là là, ça me paraît quand même vraiment super étroit. J'ai fini ma manche. Bon, avant de la finir, j'ai quand même essayé. Effectivement, c'est un peu serré. Ça me fait vraiment des manches hyper fitées. Mais encore une fois, je me dis que je ferai un blocage un peu plus sévère pour écarter un petit peu la manche. Ça sent que, voilà, moi j'aime bien quand même les manches assez serrées. Vous voyez, sur celui-là, j'ai pas du tout d'aisance. Et j'aime bien les pulls assez près du corps. Donc, sur le principe, ça ne me gêne pas. Mais il ne faut pas non plus que je sois complètement saucissonnée dans le pull, quoi. Mais bon, voilà, on verra. Mais bon, je pense que ça devrait aller. J'espère, en tout cas. Et j'en ai attaqué. Donc, la deuxième manche, bah, j'ai commencé ce matin. Voilà. J'ai fait donc les côtes 1-1. Et puis, j'ai fait comment on appelle ça, là, rabat tubulaire. Alors sur ce type de laine, on voit pas super bien, hein. Je trouve qu'il n'y a pas un rendu extraordinaire, mais bon, ça permet quand même d'avoir une certaine élasticité, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est mon encours du moment. J'aimerais le finir pour la fin de la semaine. On est mercredi, j'aimerais bien effectivement l'avoir fini à la fin de la semaine. Voilà, ce serait top. En termes de laine, alors j'ai fait des tests là. J'avais mis une photo sur Instagram d'ailleurs. Je suis allée acheter donc de la Fenty bébé Merino. Voilà. Couleur, c'est un peu couleur pétrole, mais je sais pas si c'est un numéro, une laine. Ouais, c'est un numéro qui est donné, 822. Que je connaissais pas, c'est une laine que je connaissais pas. Donc j'ai trouvé une mercerie pas très loin de chez moi, et je suis allée voir ce qu'ils avaient, et j'avais de la Fenty que je voulais tester, dont j'en ai profité. Et puis pareil, je voulais également tester la langue, donc j'ai pris de l'alpaca super light, pareil, que je connaissais pas. Et alors franchement, elle est tellement moelleuse et douce, je me suis dit allez, j'essaye. Et alors j'ai eu un peu de mal à me décider sur les couleurs, et j'ai trouvé ce mélange au top. Je me suis dit, ça peut vraiment être chouette le mélange. J'ai quand même longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que je prends plutôt un bleu, qui reste un bleu pour rester dans le bleu? Voilà. Et en fait, il n'y avait pas de langue avec cette couleur-là. Donc, bon. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer. Et franchement, j'ai adoré. J'ai fait l'échantillon, j'ai partagé également sur Instagram. Et ouais, je trouve que le rendu final est vraiment, vraiment chouette. Enfin, moi, j'adore. Donc voilà, j'espère que au blocage ça va bien se passer, que je vais avoir un petit peu de marge. J'ai perdu ma plotte. Que je vais avoir un petit peu de marge pour. Excusez-moi, je cherche ma plotte. Bon, c'est pas grave, je la retrouverai après. Que je vais avoir un petit peu de marge pour rendre un petit peu plus élastique le tissu final. Mais j'aime beaucoup quand même le modèle, malgré ce couac d'explications dans le livre. Alors j'espère qu'ils sont pas tous comme ça. Il semblerait que ce soit l'éditeur qui ait supprimé un certain nombre d'informations pour que tout tienne dans un certain nombre de pages. Alors autant sur des bouquins, ça peut être moins problématique, autant sur des grilles de tricot, si on enlève des données, ça peut vite être un problème.
Donc, on verra. Pour l'instant, j'ai fait que ce modèle-là. Et puis, j'avais commencé ici dans mes encours. J'ai commencé l'écharpe. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. C'est un modèle aussi du livre. Voilà, Rose et Léon. J'avais commencé. Je l'ai toujours commencé d'ailleurs. Elle est toujours en cours. L'écharpe, voilà. Je n'ai pas beaucoup avancé, pour tout vous dire. Je l'ai là, je n'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait le rendu il me plaît pas super. Même si au fil de l'avancement c'est un petit peu mieux parce que j'ai quand même un petit peu avancé. Voyez. Donc c'est un cadeau pour mon mari. Je voulais faire à Noël, vous voyez, au mois d'avril. J'ai pas beaucoup avancé. Mais là que je la vois là, finalement je la trouve quand même chouette. Voilà, en la regardant là, je me dis que c'est pas si mal et que bon bah là en fait ça c'était pas top top. En fait j'ai bloqué cette partie-là. Enfin, bloqué. Oui, j'ai fait un petit blocage histoire de voir ce que ça donne parce que c'était tellement ratatiné que ça me plaisait pas. Et en fait, à part là, on voit que c'est pas extraordinairement beau. Le reste, ça passe plutôt pas mal. C'est pas si terrible que ça. Voilà. Et là, je l'ai pas bloqué. Et ça va. C'est pas trop boudiné parce que vraiment, je suis pas prête pour le jacquard, moi. Je tricote trop serré. C'est un truc de dingue. Donc là, c'est apparemment de l'intarsia, mais je connais pas trop, je suis pas hyper experte là-dessus. J'ai acheté le bouquin Tricoter le jacquard en rond, là, de la longue avec Anna. Enfin, vraiment, je m'y penche, sans regarder derrière ce que ça donne. Pourtant, voilà, j'ai pas serré, quoi. Donc là, ça c'est mieux le rendu, mais. Bof, bof. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Et ça, je la tricote avec de la puna, que je connaissais pas non plus. Qui est plutôt chouette. Je pense que si j'arrive au bout de cette écharpe, elle devrait être chouette. J'aime beaucoup les couleurs et je trouve que c'est plutôt sympa pour un homme. Donc, c'est un modèle que j'ai pris de tricot duo également. J'ai pas eu le même problème que pour le pull en termes de grille. Bon, après, je suis pas encore au bout, mais je pense que pour une écharpe, c'est un peu moins contraignant, compliqué. Voilà. Et mon dernier en cours que j'ai commencé. Il n'y a pas un an, mais pas loin. J'ai dû commencer en juin, je crois. C'est le top 49 de Bobine et Pelote. En fait, j'avais commencé avec elle en ligne quand elle faisait ses vidéos. Donc, j'y suis allée un peu au pif au mètre pour le nombre de mailles, etc., etc. Donc, globalement, c'est plutôt chouette. Je l'ai essayé et ça donne plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup. Bon, à part ces espèces de couleurs là, vraiment, ça, c'est pas terrible. Hein. Ça, c'est. Le pouliche là, ou le pouling, je sais plus comment ça s'appelle, où ça fait des traces colorées. Bon, mais c'est pas hyper choquant. Voilà. Mais sinon, je trouve super sympa ce modèle. Mais je suis bloquée sur les manches, le montage de manches, mais je suis bloquée quoi. Alors, je les ai laissé tomber hein, parce que je les voilà. Vous voyez, j'ai les câbles, le câble qui est là depuis un moment. Et bon, en soi, la manche. Pas déconnant ce que j'ai fait. Mais je crois que j'ai un nombre de mailles bien trop important là. Et il me manque encore un bout de manche. Vous voyez? Donc là, je suis là. Là, c'est l'emmanchure. Et il me manque encore tout ça quoi. Alors que la manche, elle est déjà grande. Donc je suis vraiment embêtée avec ce truc là. Il faudrait vraiment que j'arrive. Vous voyez, les emmanchures, moi j'ai des emmanchures, mais énormes. Donc, soit je fais un I-cord, je fais un truc court. Parce que j'aimerais bien le mettre quand même cet été, ce petit haut. Je le trouve vraiment, vraiment sympa. En plus, la laine, elle est vraiment chouette. C'était ça, le fil gris, c'est la laine du fil de Sidonie. En Mérinossiaque, je ne sais plus quoi d'autre. J'ai plus l'étiquette avec moi. Très chouette. Et puis, l'autre fil, c'est un fil j'avais acheté d'un destache de Anaïs Louve. Et bon, à part le fait que ça fasse des marques, mais voilà, le truc est plutôt sympa, c'est assez fun. Sauf que cette emmanchure, mais me pose problème. Alors, si vous avez des idées, franchement, donnez-les-moi parce que je suis vraiment preneuse. Est-ce qu'un I-cord, ça pourrait le faire, à votre avis? Sachant que j'aime bien cette petite manche quand même, vous voyez, mais... Pour garder en fait l'effet des rayures en bas, Eve a proposé cette solution-là et je crois que c'était
dans le patron d'origine qui est en anglais, un vieux modèle, un très vieux modèle en anglais. Je crois que c'est ce qui est présenté dedans. Mais là, il manque un bout, quoi. Donc, j'ai pas envie d'avoir des manches trop grandes, ou alors est-ce que je remonte et puis je diminue un petit peu là? J'en sais rien. Donc, je suis vraiment, vraiment embêtée sur ce modèle-là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je le garde sous le coude, mais j'aimerais vraiment le finir. Voilà, donc c'est mes encours actuels. Et la dernière chose que j'ai, je vous parlais tout à l'heure d'amigurumi, et ben j'en ai un petit commencé. Je me suis acheté un petit livre sur des mini amigurumi. Je trouve ça trop chou. Vraiment, je trouve ça trop trop mignon. Donc je suis en train de faire l'écureuil. Donc l'écureuil, il est en page. Celui-là. Je trouve que c'est trop chou. Mais je pensais que mes laines allaient convenir. Mais en fait, elles sont un petit peu trop épaisses. Et dans le patron, il préconise un crochet de 2,25. Et moi, la laine que j'ai, c'est en 3 minimum. Donc bon, je me suis dit, on va quand même essayer. Je vais vous montrer le début. Parce que du coup, j'ai un peu mis en stand-by aussi parce que j'avais d'autres sujets. Voilà. Donc ça, c'est la tête, hein, le petit écureuil. Bah, je le trouve mignon quand même, hein. Bon, ma fille, elle dit qu'il fait peur, mais moi, je le trouve mignon quand même. Voilà, la tête. Donc, c'est vrai que c'est tout petit, hein, par rapport à la main. Vous voyez, la tête, vraiment, elle est tout petite, hein. Voilà. La petite queue en panache. Voilà. Donc je suis sur la fin de la queue. Bon, alors j'ai été coupée, problème de batterie, j'ai fait du ménage finalement, j'ai enregistré, paf, problème de stockage. Du coup, je ne me suis pas rendu compte que la vidéo s'était coupée, donc je ne sais plus du tout où je me suis arrêtée. Je crois que je parlais de mon ami Gourmi et écureuil. Et je vous ai montré donc ce que j'ai fait au niveau de la queue, où j'en étais. Et donc. Donc, faut que ça progresse, voilà, mais pour l'instant, c'est un petit peu mis en stand-by. Du coup, je viens aussi de parler de ma liste, parce que au niveau en cours, c'est tout ce que j'ai. Et j'avais parlé, j'étais en train de parler toute seule, mais bon, c'est pas grave, on va recommencer. Ma liste de défis du reconfinement, alors même si moi, je ne suis pas en inactivité, je suis en télétravail tout le temps. Donc, j'ai beaucoup d'activités, d'ailleurs, j'ai une journée aujourd'hui bien, bien chargée. Mais bon, depuis le temps que je l'ai tourné, j'ai quand même pris un petit peu de temps. Donc, sur ma liste que j'ai partagée sur Instagram, je fais juste un petit tour rapide avec vous. Donc, il y a le défi de broderie de Jolisson. Donc, déjà, j'ai tout coché. C'est cool. Terminer mon pull Suzette. Bah, ça, le pull Suzette, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il ne manque plus que la manche. Et j'espère le finir à la fin de la semaine. Donc, on sera à la fin du mois. Donc, ça serait cool. Installer mon atelier couture, c'est fait. Faire deux mini amigurumi, donc bah du coup j'ai que le petit écureuil qui est démarré, donc j'en aurai clairement pas deux de fait, mais voilà, j'aimerais finir celui-ci, ça va pas me prendre trop trop de temps, mais faut le faire. Finir mon top plus 49, donc bah lui oui je vais le finir, mais pas maintenant parce que faut que je trouve une solution. À moins que vous ayez une super idée, franchement, si... qu'est-ce que vous pensez de la corde, dites-moi, ou si vous avez d'autres idées, je suis vraiment preneuse parce que je suis vraiment embêtée avec ce haut que j'ai commencé depuis un an. Démarrer le top Nausicaa, du coup j'ai changé d'avis, je vais faire le top mince, j'ai dit tout à l'heure. Mince, j'ai oublié son nom. Ah, le t-shirt romantique. Voilà. Je vais faire celui-là plutôt que le Nausicaa. Et puis j'avais marqué, je voulais faire aussi le top My Little Secret. C'est un petit débardeur. Donc ça devrait aller vite, mais c'est un truc en anglais. Donc c'est pour ça que je l'avais noté pour pouvoir essayer de bosser un petit peu le patron en anglais. Et puis, je voulais aussi étudier la confection. J'ai bien marqué étudier. Hein, voilà. Étudier la confection d'un manteau tricoté. J'ai vu des modèles, mais juste splendides. Que vraiment, ça me plaît énormément. J'aimerais bien me lancer là-dedans. Mais en termes de patron, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas trouvé beaucoup de supports intéressants. Donc, il faut que je creuse un peu le sujet. Mais j'aimerais bien me faire ça. Et puis je m'étais mis une petite note, je vous parlais tout à l'heure en couture d'une jupe qui me plaisait bien que Eve a proposé dans son post, enfin qu'elle a fait dans ses dernières vidéos. C'est la jupe muscade. Voilà.
J'avais noté le nom. Jus de muscade de Christelle Ménétou. Donc, mais bon, ça, c'était pas pour faire maintenant, hein, puisque mon atelier est encore pas opérationnel. Mais bon, c'était ma petite liste que j'ai fait. Et au final, bah, je m'en sors pas si mal, sachant que j'ai quand même toujours mon activité professionnelle. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais avoir un souci encore pour importer la vidéo dans YouTube. Il faut que je fasse le montage. Et je pense que je dois être entre 35 et 40 minutes et que ça va me prendre au moins 24 heures à importer par le réseau parce que je n'ai toujours pas la fibre. Normalement, je devrais l'avoir l'année prochaine dans le village où je suis. Mais en attendant, voilà, c'est aussi un peu décourageant de faire des vidéos parce que ça prend tellement de temps qu'à importer que bon, c'est un petit peu décourageant. Je voulais vous parler un peu des laines que j'ai achetées, mais là ça va faire trop long, donc je ferai une petite vidéo plus courte du coup, dédiée juste aux laines que j'ai achetées, parce que j'ai quand même fait pas mal de petits craquages, donc je voulais partager ça avec vous, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. C'est vrai que j'ai pas une grosse cadence de vidéos, donc si vous voulez pas être pollué, je vous polluerai pas trop. Mais si vous voulez voir, voilà, mes petites aventures ponctuelles, ben voilà, ça permet de pas louper les vidéos qui sortent. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous remercie d'avoir été, enfin pour ceux qui sont venus jusqu'au bout de la vidéo, en tout cas je vous en remercie grandement. Ça fait plaisir en tout cas de pouvoir partager ce que j'ai pu faire ces derniers mois après 5 mois d'absence. Cette vidéo est un peu brouillon, hein, faut pas se le cacher. C'est un petit peu brouillon. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné et puis j'y suis allée à la Wallagen, hein, j'ai pas pris de notes, j'y suis vraiment allée à la Wallagen. Donc j'espère que ce sera pas trop désagréable ou que ça aura pas été trop désagréable à regarder. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super sympa. Donc je vous dis à très bientôt et puis portez-vous.